Est-ce qu'on pourrait pas dès qu'on commence, il y a maintenant. Ah, tu mets le. Et on commence, tu lances sur enregistrement local. Local. Faites gaffe avec les paquets de bonbons.
Pour Tekken, on va aller chercher Wiki. Mais papa est plus des commence à fondre à tourner. Ok. Je propose qu'on fasse le gagnant reste. Ouais. Bah ouais, on fait ça. On va faire tourner comme ça, le gagnant. Le gagnant à droite. Donc, salut à tous, welcome back. Désolé pour ce petit contre-temps, mais ça prend du temps de monter un stream en live, surtout quand on est aidé par l'incapable comme Yamato, qu'on salue, qui est juste à côté de nous. Donc, comme promis, voilà, après l'émission en direct, on va passer à GK Live spécial Wii U, c'est-à-dire que cette fois, on se prend pas la tête, on est là pour jouer toute la soirée. En chaussettes. C'est très simple comme concept d'émission. Shoka en chaussettes. Shoka est parti acheter des chocobons, des M&M's. Est-ce qu'on peut le montrer, Yamato? Est-ce que Yamato, tu peux nous montrer Chocapic? Voilà, Chocapic est là, il est équipé. On va aussi vous montrer tout le reste du staff qui est derrière. Hubert, Yann, Zbeb, Yamato, le réalisateur, Poichiche qui fait des doigts d'honneur, JB, notre ingé son. Donc voilà, on est tous là. Il joue de la basse, hein, il joue de la basse, attention. Ouais. Attention. On est tous là pour jouer et on va tourner, on va faire tourner aussi sur les jeux. On va commencer tout de suite avec Tekken Tag Tournament 2, le jeu préféré de Yukishiro. Tout à fait. Yukishiro qui a un grand spécialiste de Tekken. On prend beaucoup de jeux préférés, j'ai l'impression. La console préférée. Moi, le roi des packs, mais le roi des packs aussi. Tekken sur Vita, attention. Ah, mais c'est une expérience totalement différente. Donc voilà, on a des grands spécialistes du Versus Fighting ici. Papa et Pouille vont nous faire une petite démonstration. Donc papa toujours sur le sur oui. la manette oui, voilà. Classique de la Wii U, sur le faux Xbox pad en fait là. La fausse manette Xbox. Eh ben écoutez messieurs, ouais Yukishiro. On pourra verser comme ça moi je vois le pad à côté de moi, je crois le final. On va switcher oui Yukishiro dès que c'est possible. Et autre chose aussi, j'ai toujours le petit laptop magique. Donc on peut lire vos super blagues. Vos super commentaires sur la barbe rousse de laisser le plus beau poème à notre invité Caroline. Les années vous passera en direct. On passera en direct. Caroline, un invité spécial à Casta Chat, notre ancienne stagiaire bien aimée de GameCube, voilà, qui avait fait du bon taf, stagiaire vidéo de Yukishiro. Tout à fait. Yukishiro choisit bien ses stagiaires. Ouais, t'as vu la gueule de son stagiaire habituel là, Léo? C'est vrai que c'est Léo. Je crois qu'il rentre chez lui. J'ai même pu comprendre que t'as dit que c'était une bonne menteuse. Oui, c'est une très bonne montre. C'était sa réputation avant qu'elle intègre GameCube. Bon, on va arrêter sur les blagues misogynes. On va peut-être se lancer direct dans le gameplay. Bah écoute, Puyo, lance-nous Tekken. Alors attention. Du doigt. Mais le jeu est pas dedans. Bah, tu crois que... Ah oui, hein. Non. Tu crois que... Tu crois que je suis une merde, ouais. Ah ouais, Pouillot, c'est pas l'homme qui débranchait la mauvaise manette sur... Tu crois que je vais me taper un gros fail en direct? Yukishiro passe à l'action. Ouais. On le gamepad. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oulala. Non, mais on a le droit de montrer le gamepad. Non, oui, pas lui, mais pas dans les menus. Attention. Yukishiro prend ma place. Et bah c'est parti, hein, Puyo. Bah écoute, explique-nous un peu, Puyo, le concept de Tekken, pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors c'est des mecs à moustache qui se font... Quelqu'un connaît bien le scénar, en plus. Non, mais c'est la famille Mishima qui est toujours là. On a Eachi avant d'être passé dans le volcan. Voilà.
c'est ouais, important. Et Chijun, pardon. Donc voilà, c'est la Wii U édition de Tekken Tag Tournament 2 qui était sortie en arcade l'an dernier, qui est arrivé sur Xbox 360 PS3. Version Wii U avec quelques features additionnelles, fonctionnalités pour cette version. À commencer par sans doute le mode auquel. À la mode champignon. C'est sur toi que c'est tombé. Voilà. Et donc on va passer en revue les modes additionnels de cette version qui charge. Oui, elle charge bien. Elle charge bien. C'est bien conçu. Tu l'as pas installé sur le disque dur. Mais c'est vrai qu'on peut dire que la plupart des jeux Wii U, avant la mise à jour, seulement si tu gagnes. On a dit les chocos, on n'a pas dit les M&M's. Pendant, c'est un peu rare, tu vois. D'accord. En termes de temps de chargement. Même au niveau de la croix directionnelle, c'est pas intéressant de voir aussi ce que ça vaut pour des jeux de baston. C'est ce que tu penses de la croix sur... Bah écoute, ça lave bien. Au niveau Javel, c'est pas mal. Est-ce qu'on a le son du jeu? Juste pour être certain. Ben non, j'ai pas l'impression. Ah. C'est un peu gênant. Est-ce qu'on peut le monter, ne serait-ce que... Peut-être de monter le son du jeu, oui, ça serait bien. Mais en fait, on l'a pas du tout. Ah, ah. Colle-le sur la télé. On a pas le son du jeu, non. Bon. J'ai plus sur le sur la télé non plus, d'ailleurs. La télé non plus, non. Ah, c'est intéressant. Bon, très bien. Donc, on a l'image. Je pense qu'on pourrait redémarrer la console, ça le fait aussi avec la Xbox quand on tente de la capturer. Tu crois? Ouais. Aïe. Ah, on parle des temps de chargement. Parce que le son de Tekken, c'est quand même ce qu'il fait. Tout seul, Charles. Tout seul, c'est ça. On comprend pas bien le scénario quand on n'a pas le son. Ah! Mais tu peux pas l'avoir au jeu en même temps. C'est toi où je te donne. Je suis surpris déjà qu'on n'ait pas le son sur le. Ah! Déjà, le son arrive sur la tablette. Voilà, il arrive aussi sur le. Couper l'écran. Voilà. Non, mais ça, c'est le HDMI, ça, cherchez pas. L'écran, vous n'avez pas le droit de montrer. Non, mais pas sur le HDMI. C'est Yamato, c'est la responsabilité, c'est lui qu'il faudra taper. Non. Là, on voit les cuisses de Yuki. Voilà. Ah oui, vous avez ce. Voilà, c'est bon. Il a changé. C'est reparti. Donc, temps de chargement. Une durée approximative d'une minute. Alors, Ryu, Tekken ou Virtua Fighter en ce moment? Moi, je suis plus Ryu, mais. Non, t'as pas de. Aucun avis, c'est des jeux de baston 3D. C'est pas du tout sans intérêt. C'est pas des vrais versions. J'ai aimé Tobal 2, voilà, pour faire genre. Mais. en plus, c'était vraiment un super jeu. Mais. Vraiment, je c'est. C'est pas mon truc, j'avoue. Je suis resté fidèle à la 2D. Et on te respecte pour ça, tiens, t'as mérité un chocobo. Eh, ah. C'est de la triche. Il y a un chocobo alors qu'il a pas gagné. C'est quoi cette arnaque? Ah, mais c'est en. J'ai pas signé pour ça, moi. Sachant que t'as aucune excuse si tu perds, hein, parce que t'es. Bah attends, mais moi Tekken. Un des rares mecs que je connais qui suit à peu près la série. Mais moi je joue pour le scénario, Tekken. Ah, c'est pour ça que les crossovers étaient. On a toujours pas de son. On a toujours pas le son. Bah ouais, c'est bizarre, on l'avait pour le menu. Mmh. Qu'est-ce que tu me vois quand t'es là? Et start? Peut-être la cinématique sans son. Non. Peut-être Véronique. Ouais, non. On avait son en menu, hein. Il y avait le son à l'allumage. Ouais, l'allumage, il y avait le son, ouais. Ils ont tiré du son. C'est un jeu qui a pas de son. Voilà. Ça coûtait moins cher à développer. Le son qu'on a entendu à l'allumage, c'est même il y a pas de son. Ah, peut-être le son dans la mablette, non? La mablette est à fond. Ah, peut-être. Il y a pas un mode TV, un truc comme ça? Si, appuie sur le bouton haut, mais réglage de la mablette. Ou dans les options du jeu, sinon. Options du jeu, ouais. Tout s'expliquerait alors. Effectivement, tu dois avoir raison. Déjà, options sonores. Je pense que c'est plus dans option configuration de manette. Attends, on va y arriver. Paramètres d'affichage. Ah non. Oh. Ah. Bah, le son sur le gamepad. On a du son sur le gamepad. Voilà. Bon bah, ça se trouve c'est la télé qui est baissée. Non mais ça se règle. C'est peut-être la télé. Je pense que c'est la télé. Ouais, la télé. Où est la télécommande de la télé? À côté de mon pied. D'abord. Voilà, GameCube découvre la technologie du futur, la télécommande. Ouais. Voilà, titre de jeu télévision. Ouais, mais le volume reste là. Mais... Non, c'est bon. Mais y a, on peut jouer de haut-parleur. Bah écoute, fais une partie avec le son de la tablette, on verra plus tard. Des haut-parleurs de trop. Avec les haut-parleurs de la mablette, c'est complètement ghetto. Écoute, on va brancher la sortie de la mablette avec un clap jack-jack sur le PC. Mais non, mais dans les paramètres, dans les options sonores, juste en dessous là. Ouais, mais y'a. Y'a rien. Sortie audio, stéréo, non?
Après... Bon. Ah, si, c'est ça, parce que t'es branché comment le son? Il est branché, Pas branché, ça. Hein. Ah bah, du c'est HDMI. Sur le HDMI. Bah ouais, théoriquement, ouais. Bon, écoute, papa, je te propose qu'on oui, se... Oui, oui, on va... La gueule. Ouais, ouais, parce que là, ça va bien. Donc vraiment, Tekken toujours aussi complet par rapport à la version qui était sortie sur console de salon. Et cette version qui a des petits plus. Disons que les petits plus qu'on a attendus sur les versions originales sont d'office dans cette version, notamment au niveau du choix des personnages. Bah, on va y aller tout de suite. Ouais, non, vas-y, je... Tu animes la soirée. Il est de bonne humeur, ça se voit. Ouais, j'ai mon bafard, hein, tu vois. Il a mangé. Bon, t'as ton bafard, papa? Non. Mais comme tu disais, les deux vrais. Moi aussi. Les deux vrais modes de jeu inédits de cette version, c'est le combat champion. Le combat champion, mais oui, quel talent. Mec, donc on va essayer. Bah oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est là. Qui est, voilà, qu'on est croisé dans d'autres Tekken, notamment Tekken 3. Et donc, c'est un volet où on met des coups dans le ballon. Et celui qui perd, enfin bon, on verra tout ça, c'est totalement naze, mais... Bref, combat champignon, donc c'est le mode spécial Mario. Alors appuyez sur le bouton plus de la manette. Ouais. Tu vas Hubert. Donc là on nous explique les règles, c'est très con. Oui, des champignons, tu grandis, et les étoiles, ça prend un cible. Voilà. On précise qu'en fait sur l'écran du gamepad, c'est exactement la même chose pour l'instant que... Tout à sur l'écran de la télé. Pour l'instant, oui. Et sans lag, sans temps de latence. D'accord. C'est vraiment admirable, de technologie. C'est vrai qu'un maître de la console, c'est redoutable dans la passion ici. Donc, nous allons commencer par le niveau 1. Donc, suivant le niveau que tu choisis, les apparitions des champignons sont plus ou moins régulières, aléatoires, etc. Moi, je suis PR2. Hein. Alors, toute la rangée du haut des combattants, c'était des combattants DLC, que ce soit en précommande ou après. Tu es en train de me dire qu'il y avait... Ah non, oui, d'accord, il y avait Forest et Marshall. Voilà, en téléchargement gratuit. Pour Marshall, voilà, parce ils que... sont d'office sur cette version. Alors là, c'est un truc... Il y a un détail assez rigolo, c'est que quand on fait avance rapide, bah, le message rame vachement plus que quand tu le laisses... que ce soit sur la tablette ou à l'écran. Mais... Tu l'as choisi comment exactement ton combattant? C'est Sbeb qui m'a donné les critères. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Alors. Ah merde, c'est vrai, ça la croix par défaut. Alors, si tu prends un champignon vénéneux. Ah, c'est collision bien gérée, hein. Tiens, regarde, payback. Est-ce qu'il y a un champignon qui fait grossir que les seins, nous demande Zbeb. Ah, et juste derrière. Oh. Ouais, d'accord. Ah ouais, cheaté quoi. Mais en gros, on voit que les collisions, c'est... Oh putain, mais en plus, je me prends un bébé champ. Et voilà. Il me semble que le perso plus grand fait plus mal. Exactement, ouais. Mais... Et en plus, tu peux pas le choper. Mais si, tu peux le choper. Pas quand il est vraiment beaucoup plus grand. Ah d'accord. Ah, il y a un degré de réalisme, quoi. Il y a une volonté de... C'est vrai, il y a une volonté... de simulation. Ça respecte les arts martiaux, quoi. Bon, en tout cas, techniquement, c'est le même, hein, finalement. Oui, oui. Il est aussi beau. J'avais un peu peur avec les screenshots très baveux, ouais, d'origine, que... Qui est vraiment un écart, voilà, donc c'est... C'est qui joue l'eau? C'est papa, mais il connaît son personnage par cœur. Ah ouais. Non, mais c'est bah attends, meilleur, l'eau. Non, mais bah, hé, oh, chocobon. Ah. Non, mais oh. Une victoire de papa, chocobon. Allez, une petite revanche. Hein. Allez, une petite revanche. Oh, sauf que là, tu utilises ma technique secrète du changement de costume. Tu fais comment, changer de costume? T'appuies sur Y. Donc attention, comme les... Ah oui, d'accord. Ouais, c'est horrible, je prends ça. Voilà, la technicité du mode combat champignon m'échappe un peu. Ouais, c'est vrai que... Ah merde, j'ai choisi le même stage. Ah non, on pouvait pas changer. Ah, petite avance rapide. Ah, c'est pratique ce mode, je lag. Putain, mais il y a les paillettes sur ses ponts. Voilà, bon, évidemment qu'il y a des paillettes sur ses ponts. Donc il y a plusieurs techniques, comme plusieurs tuniques comme ça, il n'y a pas que des Mario. Il y a aussi... Ah
Et Hachi. Il y a aussi la princesse Peach pour les meufs. Les tuniques de Captain Falcon. Ce genre de choses, quoi. Tu crois qu'il utilise quoi comme gel, Yachi? C'est vrai, je suis jaloux. Peut-être le tien. Peut-être ouh le tien. Ouh, où ça va? Où ça coûte? Bah non, justement, j'aimerais mieux pouvoir faire ça, mais avec le mien, c'est ah pas bon, possible. Putain. À qui chie, je t'en fous. Mais il est juste... Oh, l'étoile. Et ouais, t'as chopé l'étoile au moment de mourir. Ah, ça, c'est triste. Mais la musique continue à jouer. Parce que c'est un jeu bien fini. Oh, c'est bon ça. C'est l'attaque de Satan Petit Cœur. Exactement. On peut compenser beaucoup autour de dans un morceau. Mais ouais, mais il devient juste assez grand pour rester sur la ligne. Comme quoi, savoir jouer à Tekken, ça aide. Donc voilà, écoute, tu quiches le coup. Et je vais être fratricide dans cette vidéo. Ça commence avec la caméra. Merci. Pratique ça comme motivation. Vous pouvez faire aussi un combat traditionnel, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ce qu'on a un petit peu. Bah ouais, parce que là, la musique commence un peu à me sortir. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à rendre Tekken, qui est déjà une série absolument naze, encore plus pourrie, donc je trouve ça assez. Mais c'est très bien Tekken, je trouve. Enfin, il y a des fans. Ouais, c'est bien quand t'as 8 ans, quoi. Ouf. La dernière fois que t'as joué à King of Fighters, Garou, Mark of the Wolf, tout ça, quoi. Disons qu'il y a un grand écart entre. Entre les mecs qui savent jouer et. Ouais, ça, c'est vrai dans tous les jeux, quoi. Ouais, mais à Tekken, tu peux vraiment avoir l'impression que c'est très loin d'avoir un jeu en tag. Ouais, ouais, ouais. Fais pas chier, je prends des commandes. Ouais, en tag. C'est pas l'intérêt de cette version. C'est ça. Est-ce que tu peux montrer Pois Chiche, Valentin? Prends super ballon. Ouais, tu es 4 mages là. Donc Pois Chiche qui est venu prendre la commande de pizza. Je vais chercher les pizzas. Pois Chiche qui est un patron aimable qui va commander des pizzas donc chez Domino. Enfin, pas de marque. Pas de chez Chute, pas de marque. Les pizzas soignées, donc ouais, je sais pas, pour nous 6-7 grandes pizzas. Ouais, prends mi-quatre fromages, mi-chorizo et mi autre chose. Enfin, ouais, ça fait 3000, mais. On n'a pas encore l'ordre. Messieurs, mi-verse. Donc voilà, la bouffe arrive. On espère que chez vous, vous avez aussi de quoi manger. Parce que la soirée va être longue. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question, les vieux sticks Wii fonctionnent avec Tekken. Tu vois ce contact d'ailleurs. Tu fais bien de le dire, ça montre d'ailleurs la. Voilà, alors la version custom de Yamato qui est quand même. C'est Yamato lui-même, himself. Le prince des sticks. C'est le prince des sticks. Il y a le roi des. Tu sais, roi dans la cheville d'Isaac, t'allais faire réparer son armure. Ouais. C'est le ton stick est fatigué. Si tu l'appelles Mu, c'est un peu une insulte. Parce que t'as vu la gueule de Mu. Surtout Mu, il se balade toujours avec un petit mec. Qui a genre 8 ans et demi, là tu te demandes c'est quoi leur relation un peu, tu vois. Voilà, Yamato c'est le. Donc t'as des combos tags. C'est le réparateur de l'article. Alors que tout le monde sait que le chevalier du lion a une petite place. Et alors ce qui pourrait être intéressant, Yuki, c'est. Son attaque électromagnétique. Passer par les options. Oui. Pour. Peut-être pas là, mais. Ah, tu peux afficher les listes de coups, c'est ça? Voilà, pour afficher la liste de coups un petit peu. On s'en fout la liste de coups. Non, mais pas la liste de coups, les 4 coups préprogrammés. Donc, tu peux lancer la pierre dessus, ça. Non, mais c'est pas ça, il faudrait. Les combos préprogrammés, c'est tout ce que j'aime. Il faudrait sortir en fait, mais bon, c'est pas grave, on fera tout à l'heure. Parce que tu auras la liste des principaux coups que tu as mis en réserve et. D'accord. Et du coup, bah, ça peut te faciliter la tâche pour quelqu'un qui joue admirablement bien. Admirablement bien. Je crois que mon niveau va enchanter le joueur professionnel de Tekken. Non, mais papa, t'as le niveau pour aller en tournoi là. Bon, ah ouais, carrément. Mais t'as le niveau pour aller en tournoi. Ça, j'ai un niveau pour perdre en tournoi, c'est ça? Voilà, exactement. C'est ok. C'est bien, hein. Et les gens qui remplissent les poules. Ah, les gens doivent être. Quand Yamato sait de quoi il parle. Ah, totalement. M'en remplir les poules. Non, mais les tournois de baston, ça te connaît. Ah, les shots, t'aimes ça, hein. Ah, bah ça. Bien, bon. Et ça, c'était une shot, ça? Vas-y, sans jet, je m'en vais voir comme ça. Paul, c'est un peu mon mentor, tu vois, sa coupe de cheveux, ça faudrait changer de personne à voir. Hein. Alors, il y a Dangmar qui demande si SF4... Ah, attends, Yo Gachette, d'accord. Ça serait une excellente idée, mais malheureusement, ce n'est pas à l'ordre du jeu. Chocobo. Bah, je trouve que c'est bien, mais pas le jeu. Ah, t'aurais peut-être pu faire... Ah oui, tu vois. Ça t'aurait peut-être aidé à pas perdre. Voilà. Alors, on joue avec le même perso? Bah, au moins, j'apprends. Ça prend, c'est le même jeu depuis 15 ans. Bah, ouais, mais ça prend un peu que je joue sans classique. Est-ce que les gens t'entendent, Yamato, si tu parles? Bien sûr. Les gens t'entendent? Oui. Okay. Non, c'est pas un peu le perso pour les nazes?
Il est gratos. T'es ouf. J'ai pris aussi, il est pas mal du tout. Mais ça va, c'est. Tekken, c'est une série vraiment à la rédaction, on n'a jamais. Un peu comme Halo. Un peu comme Halo. On n'a jamais été très fan de Tekken. Bah, c'est pas tout à fait vrai parce que Yukishiro aime bien. Oui, mais de là avoir un vrai niveau. C'est sûr qu'à la rédac, on est plus des joueurs de King of Fighters et de Street Fighter 4 que de jeux baston 3D. King of. Après, je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein, c'est... Yamato, tu confirmes. Je veux dire, les jeux de baston 3D sont quand même moins joués dans l'ensemble sur la scène de jeux de baston. Je pense que Tekken, c'est le jeu le plus joué, en tout cas, actuellement. SF4, il a mis un nouveau standard au nombre de joueurs, c'était juste la folie. Alors, je pense qu'overall, la communauté Tekken, c'est la plus grosse. Je vais essayer de vous montrer un truc, c'est que j'avais mémorisé sur PS4. Ouais, PS4. Vas-y, attention. Vas-y, non, montre-nous. Le dit combo, attention. Oh, mais GG. Tiens, Yamato, est-ce que tu peux montrer un petit peu ce qui se passe sur l'écran? Ça, c'est le vrai, ta gueule. On va voir tout son talent. Regardez un peu comment jouer un PGM, c'est comme ça qu'il faut faire. Il avait un timing du timing. Déjà, le PGM à la mablette. Je pense que le PGM. Et alors là, pour rappeler un petit peu. Pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas suivi, là, si Yukishiro jouait tout seul ou sur le net, il pourrait tout à fait éteindre la télé. Ah oui, et continuer à jouer c'est comme moi, c'est comme ça que ça déjà jouer avec un perso au lieu de deux. Je suis pas mes persos. Justement, c'est parce que là, il est en mode, télé par mode gamepad. Alors, vas-y, retour au menu principal. Choco bon. Option. Oui, mais après, papa va plus voir. Configuration de manette. C'est vrai que s'il veut, il peut basculer l'affichage uniquement sur la mablette. Et du coup, je l'ai dans le. Ça permet d'afficher. C'est possible ça ou pas? Là, il pourrait peut-être gagner. Mais c'est possible, j'en trouve. En mode de joueur, je sais pas. D'accord. Ah, mais du coup, c'est vrai qu'on perd la. Alors, on perd le son. De nouveau, qui demande s'il y a de la latence sur la mablette. Alors, lui n'a pas lu le test de Puyo GK qui est paru aujourd'hui. Donc, on l'a fait pour la modifier. Il n'y a pas de latence. Non, c'est pareil. Ça ne lag pas. Bon, on n'aura pas le son, mais on aura l'affichage des commandes. D'accord. Okay. C'est vrai que c'est triste de ne pas avoir le son, comment ça se fait. C'est ennuyeux, mais c'est juste qui arrive. C'est fâcheux. Yep. C'est fâcheux. Non, ça, c'est fâcheux. Mais pardon. Sinon, visuellement, c'est relativement proche de ce qui se faisait sur. Là, c'est le même. Oui, C'est-à-dire pas fou quand même. Enfin, je sais pas si. Moi, je sais pas, mais. Ouais. Sur Game Pass, ça joue. Je sais pas. Bah, après, c'est toujours. C'est comme des Dora Live 5, je trouve. C'est toujours. C'est plus aguiché. C'est toujours Tekken, c'est-à-dire que t'as pas mal d'effets, etc. C'est assez criard. C'est un style, après, oui. C'est pas le plus ouf techniquement, quoi. Alors, il faut préciser quand même que. Alors, on a la bio de Panda sur le. En gros, là, ce qui se passe. Ce qui se passe en fait, c'est que sur le. Je sais pas si tu peux filmer le gamepad en fait. Là, du coup, j'ai la biographie, papa. Une option. De Jin Kazama. Ah bah, enfin, est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus sur Jin Kazama? Bah, il fait du karaté, il est japonais. Écoute, ça c'est. Comme tous les japonais, il fait du voilà, karaté. En gros, il se bat contre son gène d'Evil. Parce qu'en fait, il est un peu mal dans sa peau, il aime pas trop son prof de maths. Ah, j'ai trouvé quelque chose là. Oh là, vas-y, là, continue. Oh non. T'as trouvé quoi? Non, j'ai pris un costume pour Kazuya. D'accord. Alors, moi, Jim Pachi qui est donc le grand-père. Moi j'ai décidé de prendre des persos de Kazuya. Voilà. Et l'arrière-grand-père. Ah, t'as pris les boss, ok. Voilà. Alors, il y a le stage de Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg. C'est lequel? Rala, qu'est-ce qu'on attend? Bah, qui est dispo d'office aussi. Il est où, tu sais? Bah, c'est lequel? Alors, pourquoi vous avez pas. Vous avez enlevé le son? Oui, pour justement voir les exclusivités. De la mablette. Voilà, Snoop Dogg, je crois que c'est États-Unis. D'ailleurs, pour l'instant, Tekken, c'est le seul jeu sur lequel on est obligé d'avoir le son sur la mablette, en fait. Celui-là? Parce que Zombie U, pour avoir testé, on peut switcher entre les deux. Non, bah écoute, j'espère surtout que c'est pas un défaut de notre setup. On verra en passant à un autre jeu. Si on a la baisse. J'espère qu'on l'aura. Après, ça me semble bizarre, oui, y'a pas de raison. Surtout qu'on l'avait quand on a lancé la Wii. Allez, le son! À moins que j'ai. Y'a le son sur le du jeu? Non, mais on veut le son sur la mablette. Bah, ah la oui, je peux mais on peut pas. On peut pas tout avoir. C'est l'un ou l'autre. C'est comme ça. Ah, je vous propose vous Non, mais c'est vrai. Regarde, moi, c'est monstre de charisme. Je suis jaloux de cette moustache. Hein. Alors là, papa, présente-moi un peu le personnage de Jinpachi. Alors, Jinpachi, donc, c'est le grand-père de Kazuya, donc l'arrière-grand-père de Jin, qui est donc qui se trouve être le père de Heihachi aussi. D'accord. Qui est donc un espèce de démon avec un. Alors, je vais juste faire une petite. On peut être normaux dans la famille. Sur le aparté. Sur le gamepad, j'ai donc la liste de commandes. Et si j'appuie, est-ce que ça. Voilà. Putain, c'est le mode gratos. Vas-y. Hop, tiens, regarde, je te fais. Ah ouais, d'accord. Regardez le skill de Yukishiro. Il y a maintenant un Fallen Kingdom. Et j'enchaîne avec un Arakansui. Yukishiro, tu joues bien. J'ai pas regardé l'écran. C'est moi qui ai merdé. C'est la puissance de la Wii. Tu peux pas faire ça. Super.
Mais c'est vrai que les novices dont je suis. Ah, mais sans doute goûter. Voilà, c'est plus novice, c'est avoir à zéro amour propre. Quoi. Bah, c'est ça en fait. Où est le plaisir? Ah, le plaisir, un petit perfect. Non, mais le truc, c'est que je m'en. En direct. Alors, précision aussi, le gamepad peut vibrer et c'est le seul moyen que j'ai de savoir que je l'ai frappé en fait. Vu que j'ai le nez dessus. Non, mais après, c'est comme une seconde nature. C'est... Ouais, bien sûr. C'est la nature du cheat. Ah, Gichiro, c'est super, c'est juggle là. Je connais bien là ton style, du Gichiro. Oh là là, oh là là. T'as pas les personnes dans son style là. Allez hop, tiens, mec. Oh là là, super. Oh là là, là magnifique. Alors Yamato, tu vois pas tu vois pas ce level là dans tes tours. Ah non, mais je. Non, non. Merde, dernière. Après, je passe le pad à quelqu'un. Mais après, est-ce qu'on a encore envie de jouer à Tekken? Ah oui, ça, ah, c'est sûr. Je suis pas l'animateur. La vraie question, c'est est-ce qu'on avait envie d'y jouer au début, en fait? Bon, non, c'est bien de le montrer pour voir un Pokémon un peu... Bah après, il y a FIFA. Bah, alors, moi, perso, j'aime bien. Ouais, non, voilà, c'est sûr. Ça, pas mal. Est-ce que tu veux changer, peut-être? Non, est-ce que... Non, mais t'as vu la gueule de tes persos Moi, tu gagnes. Moi, tu gagnes, mec. Non, non, moi, je joue avec honneur, monsieur. Voilà, chacun son truc. J'achète pas Vita, moi. Je pense qu'il y a une certaine dignité à acheter une Vita. Alors... Voilà. Ah, toi aussi t'as acheté une Vita, Mike? Putain, moi qui te prenais pour un mec bien, quoi. Bon, alors, Yuki, là, tu joues toujours en mode cheat? Il joue en mode iPad, en fait. Hein. En mode iPad, mais Yuki adore l'iPad, et en plus, il joue là les bonnes sensations. C'est doublement cheat. J'étais meilleur avec Ogre, en fait. Meilleur avec Ogre, t'étais meilleur. Derrière ça, l'autre, tu le touches une fois, tu le relèves toute seule. Et bim, hop. Ah, mais tu sais qu'il a pas la vie facile, hein, dans les enfers. On s'est beaucoup moqué de lui à l'école quand il était petit. Ouais, j'en doute pas. C'est des en fait, alors, pour faire un peu le puriste, en dessous de ma gueule, je sais. C'est qu'en fait, lui, ça, c'est trop ogre, en fait. Ogre, en fait, c'est une forme vachement plus... Vachement plus, ouais, vachement moins dégueulasse. Ouais, vachement moins dégueulasse, quoi vachement plus... Change de perso. C'est la transformation, un peu comme Freezer en transformation 2, quoi. C'est ça. Avec les cornes et tout. Et même Jinpachi se transforme, en fait. Donc là, c'est sa version humaine, mais peut-être que j'ai une... Et il se transforme en quoi? En gros. En gros. Non, mais... Elle est facile cette transformation, même moi je l'ai. Toi t'as fait la transformation inverse. Ouais. Et donc en gros là, ce qui se passe, c'est que là j'ai juste la version simple. Quand je change de perso. Oh putain, quand tu dis ça comme quand je suis arrivé, putain, hop, Link. Allez Link, ton boomerang là. Sur la master, mais c'est quoi ces coups de pied? Merde. Genre ça va lui faire mal. Super. Alors est-ce que c'est un perso complètement craqué vu qu'il est jouable? Je ne sais pas. Oh ben... Non, s'il est sélectionnable, c'est qu'il n'est pas craqué. Ouais, je pense que c'est sûr. Peut-être moins craqué qu'elle est. Comme Sagat dans Street Fighter 4 Vanilla. Exactement. Exactement. Il est déjà craqué, on peut jouer avec. Il n'y a pas de code à faire. Eh ouais, d'ailleurs, j'ai 100% de victoire contre ton frère à Street Fighter 4. Avec Sagat, c'est vrai. T'étais pas. J'ai fait un seul match. C'était son premier match sur le jeu. Et il lui a dit, c'est plus la peine, je joue plus contre toi, t'es trop. Ah ouais, c'est exactement ce que je lui dis à chaque fois qu'il me propose de jouer, je refuse le match-up. Non, c'était beau ça. Et bam! Et voilà la victoire du talent sur la table. Et voilà, j'y vais. Non mais oh! Tiens, je peux pas. J'ai deux chocobons! J'ai deux chocobons! La question qu'il va falloir poser au lecteur, c'est ce qu'on leur a vendu une Wii U avec ce jeu. On va la poser régulièrement tout au long de la soirée. Bah, oh, non, mais tu te moques, mais Tekken Tag, c'est quand même un bon jeu de baston. Non, non, mais c'est. Vite select sur GameCube. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, c'est qu'on n'a pas le jeu. C'est une super affaire. Tekken Tag, c'est pas de la merde, surtout. Parce que Puyo, non, peut-être Trent. Je suis désolé, mais c'est pas de la merde. Je propose qu'on change de jeu, vu que tout le monde a l'air super motivé par Tekken. Écoute, pause. Ouais, ça demande à changer de jeu. Ça demande à changer de jeu. Alors. Ce qu'on va faire, le choix des larmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va se passer quelque chose d'assez grandiose, c'est qu'on va faire un duel très attendu. Ouais. Yamato. Pour ceux qui ont suivi le live FIFA, FIFA 13 qu'on a fait l'autre soir, il y avait une grosse rivalité entre deux équipes. C'est dommage qu'il n'y ait pas Sylvain, parce que Sylvain apporte beaucoup à l'esprit de cohésion, à l'esprit de cohésion dans une équipe. En fait, vous allez avoir un deuxième round sur FIFA 13, enfin FIFA 12 et demi. FIFA 13 qui est pas là d'ailleurs. Vous avez on n'a pas le jeu. Yann là. Donc bougez pas, je vais chercher Yann. Hubert, mais c'est encore un. Je vais chercher Yann, notre spécialiste de FIFA. Et on va passer sur. Peut-être Hubert. Ouais, je vais Triceratops. T'as le Triceratops que si tu gagnes. Non, mais attends, s'ils vont jouer à FIFA. Alors, la seule question, c'est vraiment cette histoire de son. Je sais pas si Yamat, t'as moins de. Quand j'ai streamé les zombies ou. Ouais, on retiendra quand même que les cas où on prend tout. Ouais, peut-être qu'on a mal branché, non? Si t'avais mal branché, t'aurais même pas mal branché. Ni Kuma, ni le bon. Non, bah non, beaucoup de jeans. Beaucoup de jeans avec un bon. Mais bien sûr. Mais je connais même leur histoire. Yann, pour retirer l'image de la console. Ouais. Gun, donne. Mais tu sais quoi, c'est bon pour l'image de la console.
c'est d'écrire une espèce de biographique sur l'histoire de Tekken. Tout recoupé avec. Tu prends le bad ou pas? Faire une espèce de roman définitif sur Tekken. Ouais, j'ai une excuse à prendre là. Putain. Ah, il y a monsieur Carotte qui est là. C'est bon. Non, pas de carotte. Papa, tu vas peut-être. Facile à payer. Oui, bien sûr, ouais. Le calife surprise pour laisse place à Hubert. Des trucs. Bon, Hubert, moi je les ai étalés donc t'as intérêt. Fais un petit tour en train en cop. Vas-y. Bah, c'est toi, il y en a un, toi. Ah, Choca a ramené des truffes, et ça, c'est la classe. Un petit 2 contre 1 en coop contre Hubert. 2 contre 1, ouais. En coop. Vous avez deux manettes placées? Non, en fait, on trouve une. On en a deux, des comme ça. Une classique blanche. Là, je suis en train de se congeler, ça tue les dents. Je vais chercher la classique blanche. Ah oui. Oh, mais elle déchire, tes truffes. Donc, tes cales, c'est rangé. Yamato, est-ce qu'on a le son de la console? Oui. On l'a? Voilà, on l'a, ouais, c'est ça qui est fou. Je comprends pas pourquoi Tekken. Mais c'est Tekken. Non, c'est ici, ouais. Il a bien. C'est ma faute. Il y avait un truc? Oui. La capture était réglée sur le son. Est-ce qu'on peut baisser le son de la. Pourtant, et tout à l'heure, c'était réglé sur moi. Ce sont des choses qui arrivent, Yamato. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Je sens que papa ne va pas avoir écrit ça. Je peux envoyer un Pikachu sur Arnaud, s'il te plaît? Sans que quoi? La joie de vivre de la jaquette FIFA 13 n'empêche. Top, bah, il a l'air content, hein, le monsieur, de sourire. Je sais pas qui c'est. Donc mais... là, c'est bon, c'est diffusé. On peut. Diffuser les gens peuvent voir. Vous êtes dans les conditions du direct. Alors, c'est vrai que ça peut paraître trompeur parce qu'en termes d'interface et en termes de menu, bah, voilà, tout ça, on a l'impression que c'est FIFA 13. Ça commence comme FIFA 13. T'as le drapeau, tu sais. Non, mais l'autre carotteur. Ah! Non. Le chef carotte arrive. Ah, bah écoute, je vais laisser ma place. Il y a le chef carotteur. Dans New Super Mario Bros. U, il y a Carotin. Et c'est devenu le surnom de. Le surnom de. Depuis maintenant. Je suis pas regarde, ça. Super Mario, je vais montrer. Ça vient très vite. C'est mon coach. Couillon, tu préférerais pas switcher avec Yann que je puisse filmer un peu l'ambiance? Un petit peu. Et pourquoi je joue pas? C'est pour l'audience. Donc voilà, on a vraiment l'impression que c'est FIFA 13 tel qu'il existe sur les autres versions. Parce que c'est la même présentation, c'est le même petit menu relou, tout pourri. Alors, bienvenue dans FIFA 13. Nous, 18 ans, je n'ai jamais joué à un jeu de football. Non, mais il y a Hubert, ça. C'est Hubert. Ça sert à médiaire, de manière occasionnelle, bah, c'est toi. Et l'expérimenté, c'est toi. Voilà. Je mets des 5-0 tous les midis. C'est ma passion. Vous allez faire quoi là? Un 2 contre 1? Un 2 contre 1. Ouais. Alors, c'est quoi contre qui là? En coop, car la version Wii U pour toi là. Eh, Puyo, t'étais en train de vanner Yann il y a 2 secondes, mais ce midi, t'as pas dit qu'il était meilleur que toi? C'est vrai. Puyo a reconnu sa supériorité dans certaines conditions. Avec, Lyon, avec son équipe un petit bon, alors messieurs, sachez pour vous motiver que le gagnant de ce match aura droit oh là là. Pas seulement à un dinosaurus, mais au meilleur dinosaurus évidemment, le Triceratops. Bon allez, Puyo, je crois qu'on va faire la même chose avec les pizzas. Pas de pizza pour celui qui perd. Bon, là, alors là, oh là là, on va à deux contre. Alors sur le chat, c'est la jeune femme a du mal à s'intégrer, même peu lui propose un BN. C'est pas des BN, c'est des dinosaurus. Le genre a du mal à s'intégrer. Le cœur de la rédaction. Et oui, j'ai beaucoup de mal à m'intégrer. Les deux tiers des messages sont sur le carreau. Putain, le grand homme de Petit Chiro. Le grand homme de Petit Chiro, le certain, faut les voir tes chaussettes. Le Lilloa qui n'aime pas la Lady. Petit Chiro, il aime rien. J'étais très déçu, il n'y avait pas eu la blague sur la puberté de Benoît qui était sous NDA. Oui, on l'a gardé. Donc c'est les mêmes. Justement parce qu'elle est sous NDA. C'est à peu près. La même chose, la vraie différence c'est la présence de ce mode coop. Qui va tout bouleverser, je pense. Et on va explorer. Voilà, s'intégrer là. Et oui, j'ai beaucoup de mal à m'intégrer. Je change mes trucs. Aidez-moi à m'intégrer, c'est trop dur. Caro, ça fait 10 ans qu'elle est là, mais c'est pas grave. Non, c'est pas possible. Non, mais t'inquiète, parce qu'on va galérer. T'inquiète, on va galérer. Ouais, je te le dis. Ah, parce qu'il faut savoir qu'il joue tous les midis, au moins. Non, mais. C'est FIFA 12 sur Wii U, t'as pas d'excuse. Ah ouais, non, mais. D'après ce qu'on m'a dit, tu as gagné tous tes matchs. J'ai gagné. Lors de la soirée, j'ai calé FIFA 13. Voilà. Sur FIFA, j'ai gagné tous mes matchs. 100% ça le fait. Va à droite. Hubert, elles sont immondes tes chaussettes. Ouais, je sais, elles sont trouvées en plus. Alors donc la petite différence, c'est le petit mec en costard, donc c'est-à-dire moi avec cette mablette, qui veut gérer le match pendant que Yann... Oh mon dieu. Pendant que Yann... va essayer de placer des attaques. Va essayer de placer la puissance.
Alors là, pour l'instant, c'est toi qui es exactement la même chose. Le manager, non, là, c'est juste la même chose pour l'instant. Ouais. Pas de vrai différence, de vraie finesse. Quelle pilosité. Hein, c'est un déplacement. Je suis impressionné. Et aucun. Seul celui qui arrive. C'est quand tu changes de déplacement, il va un peu avancer. Ou alors, il s'arrête tout. Quand tu changes, il s'arrête. Mais laisse tomber, de toute façon. Bon, arrêtez de parler là, on veut voir des mecs en short qui courent là, tu peux s'attendre là. Mais non, mais c'est Hubert, c'est bien qu'il étudie les règles. Ah oui, c'est vrai, exactement. Ouais, non, Hubert, il cherche la carotte. Non, mais attends, Hubert, on joue au jeu de plateau tous les midis avec lui. À lui tout seul, il met plus longtemps que tout le reste de la table à jouer. Ouais, ça. Oui, mais il a gagné, celui. Oui, il a gagné. C'est vrai qu'il a gagné. Ouais, parce qu'au final. Bah, hier, il a perdu comme une merde. J'étais pas en veine. Ouais, t'as fait un triple. Bon, quelle équipe choisis-tu? Pour ce soir, il y a un petit. Moi qui choisis les OM. OLOM, ce serait très bien. Ça te dit de prendre un pizza à Marseille en plus. Sur le chat, on me demandait OLOM. Ah, c'est dur. Hein. C'est le match de ce soir. Vas-y, tu alors, il y a quelques petites subtilités ensuite qu'on va merde, voir. Non, c'est pas pour valider. Alors, attends, ouais. Vas-y. Le match de ce soir. La match de soir. Tu nous regardes de haut, la Ginec qui t'aurait pris. Alors, oui, petite subtilité, il y a une vue en contre-plongée au moment. Attends, voilà. Au revoir. Et là. C'était. Voilà, regarde, là, on me voit. Il y a Gilles Bastos qui te regarde de haut. C'est pas les équipes françaises que vous avez pris, non? Si. Ouais, avec des négros dedans. Alors, attention. C'est coucou, Béa. Quel temps tu alors, la première subtilité de cette version, c'est qu'il n'y a pas là de conditions climatiques. Il y a juste l'ombre. En fait, on a le choix entre sec ou couvert. Il n'y a ni neige ni pluie. Ils ont arrêté. Bon, c'est vrai que nous, on arrête de jouer avec la pluie parce que ça pose tous les ouais, résultats. Ouais, c'est horrible. Mais le fait qu'il n'y ait même pas ça, c'est déjà. Ça témoigne quand même d'une version. J'ai expliqué moi pourquoi au MOL, ça se passe au Parc des Princes. Parce que c'est le stade mythique, par exemple. Ils vont tous au parc. C'est le prince. En présidentiel, espagnol. C'est le prince. En présidentiel. Ça, on va rappeler que Yann est abonné en tribune présidentielle à contrairement à Yukishiro. À la saison du Paris Saint-Germain. Qui le jalouse. Yukishiro est mort de jalousie. Qui essaye de me voler ma place tous les midis. Yukishiro est juste vénère. On va mettre ton comme un carton. Ton cheat qui s'appelle Yohan Gourcuff. Ah, ce bon vieux Gourcuff. Michel Bastos, on va mettre. Y'a un mec qui s'appelle Bastos. Mwemba. Et tu mets Grenier. Ouais. On les sent. Là c'est déjà le début du mode gestion, du mode coop. Tu m'excuseras, t'as pas pris ça à toi. C'est très bien, ça aurait fait que tu as créé des changements. Putain mais Hubert, comment tu savais comment tu vas mourir. Ah Hubert, voilà, il essaie de faire sa petite sauce. C'est un guet-apens. C'est un vrai. Non mais à 9-2 on arrêtera. 9-2 on arrêtera. 9-0. C'est plus ce stade de ce moment là. Ouais c'est vrai que c'est bon. Où est-ce là, à Prouzès. C'est le téléphone à Yuki, je te traîne. 3GS, donc là le mode arène avec deux. Voilà, avec l'industre inconnue dans les buts. Retour en mode arène. IPhone, y a plus de à dégâts. Si ça n'a pas pris jaune, c'est bon. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tire le. C'est passe-moi. Je suis à dégâts. Je suis dans les buts. Ok, bah, je tire. Waouh! Waouh, il me frappe à la paire! Ouais, c'est vrai! C'est bonjour, voilà, on chez aussi. Alors, voilà. C'est là toute la surpuissance de cette Wii U et de son gameplay asynchrone. C'est-à-dire que là, je suis le coach. Donc, je vais pouvoir, par exemple. Quand tu dis asynchrone, tu veux dire Bouillon, vous pourriez peut-être couper les commentaires. Parce qu'on parle. Vous pouvez pas muter. Ta chaîne, ça va? Oui, ça joue. J'ai des difficultés à m'intégrer. Oui, je. Voilà. C'est ta chaîne qui est en présidentiel. Exactement. Qui va pouvoir profiter. Donc, plutôt, on les filles ou les portes parce qu'elles sont intéressantes, quoi. Ah, ouais, les Kishiro de route. Personne n'a entendu. Ouais, t'en te sentais pas. C'est un omnidirectionnel, plutôt pour du principe. Alors, pour reprendre ce petit paragraphe, c'est-à-dire que quand Yann aura la balle, si un jour il arrive à la prendre. Ouais, si tu m'aides un peu quand même. Là, je peux pas t'aider. Bah, si, tu peux. Oui, je peux t'aider vraiment. Vas-y, Hubert. Voilà, regarde. Que je vais pouvoir aider Yann en lui donnant des. Et pourquoi est-ce que tu aides Yann spécifiquement? Parce qu'on est en coop. Tu vois là, je viens de tracer un appel et donc le joueur a fait la démarche. Et passer la balle en voilà. Tu sais que tu peux le faire en défense aussi. Je peux le faire en défense, voilà, c'est-à-dire que je peux piloter. Ça a l'air absolument. Oh là, voilà, c'était le. Alors c'est une précision de table, évidemment, Hubert, ce grand Manitou. Ce grand carotteur. Ce grand carotteur, c'est déjà. Toi, t'es mal placé pour parler de carotte. Donc voilà, tu peux faire. Oh là là, Hubert! Tu peux faire ce qu'on appelle de pressing manuel, mais vraiment manuel. Et alors, il y a plusieurs modes d'affichage. Là, c'est le mode stade. Mais cette espèce de mode football manager. Oh là là! De toute beauté, qui me fait apparaître évidemment les stats des joueurs en question. Il y a un type qui s'appelle Grenier. Regarde là, t'as vu cet appel que j'ai fait là avec Michel Bastos? Oh oui! Oh oui!
Lissandro Lopez. Il s'appelle Bastos et tire des grosses Bastos. Voilà. C'est moins pratique pour suivre le match, je trouve. Bah, je trouve aussi, mais en même temps, c'est peut-être plus ergonomique. Alors, les experts là, est-ce que c'est plus beau que sur PS360 ou pas? Alors, pour faire très simple, c'est la version de l'année dernière. Étant donné que c'est la version de l'année dernière, donc pourquoi c'est la version de l'année dernière? Parce qu'il n'y a pas toutes les features de cette année. Alors, c'est les contrôles de balles plus difficiles, c'est des appels plus intelligents, c'est des collisions beaucoup plus pointues, beaucoup, enfin, avec une meilleure gestion de la physique, tout ça, c'est absent. Et autre problème, c'est que en termes visuels, le jeu a tendance à saccader dès qu'il y a des trop gros regroupements. Et ça se voit vachement sur toutes les phases arrêtées notamment. Mais même en plein cours de match, alors ça se verra peut-être pas à l'écran dans du Galive. Mais nous on le voit rien qu'à l'œil nu là, il y a vraiment des moments où attendez, c'est parce que je me souviens pas vous. Donc pour revenir aux fonctionnalités de gameplay de la mablette, on peut réaliser des changements, donc là ça n'aurait pas vraiment de sens parce que voilà, parce que c'est la première mi-temps, mais je vais pouvoir par exemple remplacer, voilà, si j'aime pour plus faire un mauvais match, là, je vais pouvoir. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible dans les bras de Liam, je vais pouvoir changer à la volée. C'est pas extraordinaire, mais c'est présent. Hubert ou Jeudi. Autre modification, les tactiques à la volée, donc notamment les formations. Mais décider. Hop, c'est on va changer, on va jouer en 4-4-2 l'autre. Okay, merci. Non merci, c'est... laisse ma formation de Lyon. On va le laisser par défaut parce que Yann il ne sait jouer que dans cette formation-là. Ouais, c'est fait. Et alors là, attention, on rentre dans le vif du sujet avec plein de menus. Donc si on veut choisir une vitesse de construction rapide, ce qu'on va faire. Dépasse Yann, ça c'est beaucoup en passion parce que c'est un cheater. positionnement organisé, donc voilà. Ouais, pendant ce temps-là, il met des poteaux un peu chers. Et donc voilà, t'as des paramètres. Sur la rencontre, mais c'est surtout pour occuper le mec qui a le gamepad, qui se fait un peu chier. Un peu chier quand il est devant un match de foot. Un peu beaucoup chier. Je peux aussi choisir de modifier le marquage individuel. On n'a pas une télécommande pour votre télé là, au lieu d'essayer de jouer à ce qu'il devant. Mais tu sais que la tablette elle fait télécommande. Oh non. Ouais, mais on l'a pas réglé. Mais chute, c'est souvent dit. Et donc voilà, pendant que Yann s'amuse, bah, j'essaie de l'aider, mais c'est pas très très passionnant. Quoi. Mais on verra, à la mi-temps, il y a un petit ressort, un petit ressort dramatique. Un passage. Et vous allez voir toute la puissance de du cette coach. Version Wii U, et la puissance du coach, et son influence vraiment sur ce qui se passe sur le terrain. Oh, c'est fair play. Bon alors, qu'est-ce qui se passe, Yann? Alors, j'aimerais bien... Tu bouges ou pas? Tu je suis un peu plus offensif. Vas-y, si marque-le. Défonce-le. T'as manqué au tir. Voilà, là je lance un appel. Tu vois l'appel là? Non. Ouais, il était nul. Je suis hors jeu. C'est tellement un bel appel qu'il est hors jeu. Allez, bim! Oh là là. Ah, mais tu tentes ma petite technique carotte. Ça marche que contre toi, c'est vrai. Mais t'étais déjà bon. Non, mais ça marche en fusion. Ça marche que dans FIFA 13 en fait. Là, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est fun. Allez, Hubert, avec quelle sérénité. Il est très serein, Hubert. Ouais, toujours, mais. Vraiment dans la chat, Hubert. Je rappelle que je joue à PES d'habitude, donc là j'essaie de lutter contre mes réflexes de PES. Regarde, t'as vu que je fais une couverture. Des années d'entraînement à PES sous la cascade en Chine avec le Vietnam. Et rassurez-vous, vous faites qu'un match. Oui. Ah, bah oui. On se fait presque autant chier que devant un match de foot. Quoi. Non, mais il va y avoir il va y avoir des choses incroyables. Vas-y, Hubert. Tu joues lesquels déjà? Les bleus. Faut pas penser que c'est quand même un mauvais jeu de foot. C'est faux, FIFA 12, c'est quand même un très bon jeu. Bah oui, il a eu 8 sélects. Il a eu 8 sélects, il a pas eu 9 sélects comme c'est l'excellentissime FIFA 13. Le meilleur jeu de tous les temps. Le meilleur jeu de tous les temps, le meilleur jeu de cette année, d'ailleurs, on joue tous les jours, c'est ça. Mais malgré tout, c'est quand même dommage quand t'as écrit FIFA 13 sur la boîte. Ah bah, c'est sûr. De ne pas avoir la vraie expérience, surtout quand ça rame et que tu as une compatibilité gamepad un peu moisie, comme on dit. Non, mais là, t'as essayé de carotte parce que il a fait marquer. Moi, je pense que le vrai débat, c'est laquelle la ville la plus pourrie entre Lyon et Marseille. Marseille. Mais toi, t'es originaire de Lyon, ça tombe pas. Donc, je sais pas si on voit les saccades à la. C'est vrai, mais. C'est le jeu. C'est pas le stream. Oui, c'est pas le stream. Enfin, sauf si vous êtes chez Free, mais... Non, parce que si vous streamez chez Free, c'est que vous avez rien compris.
Mais voilà, c'est quand même dommage que la promesse soit pas tenue, surtout que. Enfin, on a du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas proposé le vrai FIFA 13. Pouillot, je crois qu'à la mi-temps, je vais avoir besoin d'un petit coup de fouet. À la mi-temps, il va y avoir un petit coup de fouet. On va voir la dernière vraie fonctionnalité de la mablette. Un petit coup de fouet, s'il te plaît, pour Lissandra Lopez et Yann Gorky. Tout à l'heure, j'ai trouvé un côté Zlatan Ibrahimovic. On a dit qu'au début de la deuxième mi-temps, il y avait encore plus fort. Pour Yann Gorky, je sais pas, j'appuie sur les dents. Voilà, je suis le coach et je peux choisir d'encenser l'attaque ou au contraire de la critiquer. Et comme Yann a fait une première mi-temps assez catastrophique de mon point de vue avec 40% de possession, et ben je vais critiquer l'attaque. Regarde, il a fait 0 tir. Je vais faire parler. Je vais même pas tirer. Votre choix de critiquer l'équipe a porté ses fruits pour 7 joueurs. 3 de vos joueurs ont répondu de manière négative aux propos. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être moins fort. C'est qui ces joueurs-là que je vais dire? Alors les joueurs qui ont. Clément Grenier a vraiment fait la tronche. Ah, Sandro Lopez aussi. Ah merde, mais t'es meilleur joueur. Alors attends, je fais gros tour. Bon chier. Et je vais prendre Lissandro Lopez. Drame. Ah oui, un part. En individuel, et je vais les yeux dans les yeux. Le motiver. Note bien toutes ces instructions de maladie. Ce qu'il va dire. Je veux dire, franchement, Lissandro, quand même. Tu veux lui proposer une soirée avec Zaire? Si tu gagnes, je t'emmène aux amènes café. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Sans n'avoir eu aucun effet sur lui. Il est sans les steaks, il parle pas français. Sans les steaks. Bon, alors, Dimitri Hans. Lui, je vais le critiquer parce que vraiment, en plus, t'as vu, il est sympa. A eu pour conséquence de lui donner un tout petit coup de fouet. Donc vraiment. Yoann Gourcuff, moi j'aimerais bien que tu fouettes un peu là. Dans l'entame, c'est un peu fait. Pour Yoann Gourcuff. Yoann Gourcuff, c'est plutôt un mec qu'il faut motiver ouais, voilà. Parce que c'est le mec, tu vois, il donne moral à la dans les chaussettes. Moi, petit Raymond Domenech. Ah merde. Ah, Hubert nous a carottes. Ah, voilà, comme d'hab. Voilà, Hubert. Alors on n'a pas eu de coup de pied arrêté, j'aurais pu montrer là aussi toute la puissance de l'individu. Mais néanmoins, il va y avoir le vrai coaching gagnant. Le vrai de vrai coaching gagnant. Voilà. Hubert, tu jouais quel? Il arrive. Le vrai coaching. Ça marche pas! C'est l'entrée de Pouilleux. C'est l'entrée du coach! Sur le terrain! Sur le terrain! Oh, ça va! Le coach y rentre! Voilà. Et là, je peux te dire, Hubert ouais, plus! Malcadré celui-là! Hubert, c'est foutu pour lui! T'es en rouge! Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? En jeu! C'est les règles du football! Ils sont ouf! Hubert, c'est foutu pour ça! Déjà, hop, petite passe laser, une transmission incroyable! D'ailleurs, tu pouvais utiliser la mablette là! Je suis en concours de WAD avec toi! Il a gagné. C'est moi qui ai gagné. Et là, tout de suite, on sent que le jeu de Lyon est plus aéré. Tu vois, il y a plus de. Il y a plus de modestie, c'est ça. Vas-y, Hubert, je prends en toi. T'as les cours. Passe-le au mec en short. Merde, c'est Hubert le mec en short. Oh là là, attention, Hubert 1 contre 1. Oh putain. Ah, donc je suis avec le vrai. Comme tous les merdes. Tu m'as vu. Tu m'avais pas vu. Si, je t'avais vu, mais la fête est toujours. Je crois que tu l'as trop encensé. Ah, mais en fait, on est trop sur nos réflexes de FIFA 13. Ah, voilà, là tu m'as vraiment vu. Ah, là je t'ai vu. Ah, t'avais pas vu Hubert. Ouais. Et donc voilà, c'est vrai qu'en termes de portage, de fonctionnalité, on peut faire le mode carrière en coop. Donc si il y a vraiment un type qui a envie de jouer 50 matchs à la magette. Bon, c'est vrai qu'à un moment, t'as quand même envie de. Hubert, c'est meilleur à Zombie U. Hein. Un jeu plein de tactiques. Bah, t'as pas cette espèce. Oh là là, carton jaune de la part de Kirikou. Ouais, il arrive à rien. Monsieur Kirikou. J'ai le droit d'être raciste, je suis à moitié noir. C'est vrai. T'as la meilleure. Et il est fire. Faut reconnaître que la prise en main m'a. Vas-y, Hubert là. T'as la carotte. Oh premier tir, ah, premier c'est-à-dire, but. C'est-à-dire que premier tir de quelqu'un d'autre, il est moins fort qu'Hubert tout seul. Ah, parce que Pouillou est rentré sur le terrain, ouais, c'est outil est rentré. Hubert, maintenant, faut jouer en 11-0-0. contre la chance du début. Contre la carotte, la frappe. La carotte, la frappe pleine de c'est le talent. Hubert, en plus, Pouillou est rentré sur le terrain, donc il joue seul contre deux. Regarde-moi cette carotte. C'est Hubert tout craché, ça. Putain, d'engagement. Non mais défends Hubert, défends jusqu'à la fin. Oh oui, jusqu'à la tu m'as vu. Elle est où la prise? Oh ça sent la carotte. Mais merde, t'es où? Oh ça sent la carotte. Il n'y a pas de soutien. Bah ouais, c'est normal, t'as l'avancée. Tu peux passer devant. Avec lui on mange toujours un gros cul. Et si on appuie là-dessus, ça fait quoi? Non. Ça m'arrange parce que je commençais à avoir un vieil écran. Bah tiens, on peut jouer un gameplay asymétrique aussi. Vas-y Hubert. Ouf. C'était qui que j'ai déjà? D'accord. Bien, il a craqué le match là, c'est un signe pour moi. Merde, putain.
Bon, c'est pas facile de jouer sur cette map. Ah oui, ça joue. C'est vrai qu'avec le gamepad. Le noir passe à l'autre noir, qui passe à un autre noir, qui repasse au noir. Bah, c'est français, hein. Qui passe à un autre noir, un autre noir qui est tombé par terre. Sans doute pas l'habitude des chaussures. Oh non, oh non. Ouais, mais tu pars tout vite. Arrête du noir. Entre les joueurs. Ok, alors. Faut construire, rien. Voilà. Oh là, oh là là. Oh, c'est pas bon pour ça. Non, en plus il la met pas. Ouais, mais c'est pour ça que je joue de 8ème. C'est pour ça que je pas joué de pas. Fais entrer le Brand James sur le terrain. Ouais, fais entrer le bon, il est pas mal. Qu'est-ce que vous foutrez les bons à Marseille? Ouais, putain. Mais. C'est pas bon ça. T'es avec Maître Vénère, Maître Carotte. Ça va pas tarder. Bon là Yann, il reste plus que 20 minutes, faudrait quand même comme disait Aimé Jacquet, sortir les doigts du cul. J'allais le dire. Tu peux l'attraper, je vais l'attraper. T'as vu comment il t'a fumé la gueule. En fait il connaît tout. Non, mais Hubert, il connaît tous les drifts du jeu. Il a fait le mytho, mais chez lui il a fait la doute. Oh, ouais grave, ça c'était ça. Mais cette défense, mais les trous qu'il y a quoi les mecs. Vas-y Hubert, cours. Allez, on va le prendre en sandwich. T'as vu Olivier Tom. Ah, il est hors jeu, il est hors jeu. T'as mis ça. Il est hors jeu. Ouh, quoi. Max, hein. C'est bien, il passé quoi? Du coup, il a attendu 8 jours pour s'y faire, d'accord. Parce qu'il doit attendre que le ballon soit touché. Hein. Pour vraiment désolé. Il est hors jeu, passe. Ah, mais c'est un jeu. On a du mal à remettre le pression. Hubert le confisque. Là, tu essaies de voir ton jeu. Ah, c'est toi. Bah t'as qu'à prendre la chaise peut-être, non? Oh oui, tu vas. Tu veux t'en servir? Oh oui! Ça sent la merde! Oui, la chatte elle est comme ça! Ce petit service car. Je l'ai normalement avec le défenseur. T'as vu ce petit service? Le service car. Le comité de la grâce. Ça c'est FIFA, tu fais L1 triangle et carton jaune en prime pour Steve Mandanda. Carton jaune! C'est vraiment l'action à 1000 points. C'est clair. La carotte dans toute sa scandale. J'aurais bien un rouge, hein, tout le monde a un but, c'est pas ça. Pas trop ça, un but. Voilà, c'est bien ça, Yann. T'es en train de dire, Hubert, qu'ils ont besoin de se mettre à deux pour égaliser ton score. C'est ça que t'es en train de me dire. Attends, t'as vu la manette qu'on a dans les mains? C'est clair. Mais Hubert, il est sûr que ça. Attends, mais si vous gagnez pas, c'est vraiment pour vous. Oh oui. Hubert qui sent le vent tourner. Qui sent les mouches changer d'âne. Voilà! Oh là là, ça c'est craqué ça. Ah, je suis désolé! Maintenant que le match va bientôt se conclure, est-ce que t'as déjà une idée du jeu qui va suivre? Ah, bah écoute, on a plein de jeux, hein. C'est vraiment la chance qu'on a. On a un gros line-up. Je vais peut-être les énumérer. Laisse les lecteurs dessiner. Ouais, mais on va leur dire ce qu'on a. On va leur dire ce qu'on a en fait. Ça réclamait beaucoup Sonic. Attention! Oh là là, ça voilà. Trunks c'était acheté par Uber. Alors, Yamato, est-ce qu'on m'entend? Sur le chat, est-ce qu'on m'entend? Oui. Je fais mon vendeur Carrefour là. On a le fabuleux Sport Connexion. Et ça, c'est du lourd. Ça vole des tours. C'est du vrai jeu. Ça, c'est du vrai jeu vidéo. C'est certainement le fer de lance. C'est là qu'il aura. On a Assassin's Creed 3. Très classe. Et en plus, on a Yann sous la main, donc ça peut le faire. On a Zombie U, dont on pourrait éventuellement essayer le mode multi. Parce que l'autre jour, avec Hubert, on a fait un GK Live. On a fait un GK Live spécial solo, mais là, on a de quoi faire du multi. Je reste en bas. Oh, elle est belle la passe. On a Orochi Warriors 3. Hyper. Je peux vous faire une heure et demie dessus. En quoi est-il hyper? Oh tu restes sur la toile. Attends, là, c'est un stand spécial. Il y a Hubert qui vient de mettre un poteau. Il est hyper comme hyper U. On a Your Chef Fitness. Alors, je sais pas si quelqu'un s'en humeur. Yuki Ishiro. On a Just. Oh là là là! Attends. Ça c'est fini. Versant! Comment c'est possible? Encore un grand jeu Ubisoft.
On a Sonic All-Star Racing qui peut s'entendre en multi. En multi Sonic All-Star Racing, ça peut être bien cool, je pense. Bon, ouais, je pense qu'on va pas s'infliger les. Ouais, on a Darksiders 2. Voilà. Moi j'ai des photos des dommages. Et on a le Mass Effect 3 qu'on pourra peut-être montrer à Pnou juste pour voir le portage. Par contre, c'est pas un jeu très convivial. J'ai des photos de tes pierres. Pas sûr. Ça rappelle un certain GKL avec Slatcher. Oui. Hubert a marqué en premier, donc c'est Hubert qui gagne. Ouais. Le légendaire. Et qui a fait un tir, c'est ça? Il a gagné un Triceratops et là je suis vénère. Alors que, quand même. Alors comment j'ai eu des chocobons quoi. Alors pour ceux qui demandent sur le chat, c'est qui a gagné? La prolongation? Non, on va pas la faire, sauf si. Non, on va pas la faire. Celui qui a gagné, c'est celui qui a le Triceratops. C'est Hubert qui a marqué en premier. C'est Hubert en or. Allez, but en or, vas-y, fous le but en or. Donc pour info, on peut pas montrer Nintendo Land et Mario parce qu'ils sont sous NDA, par contre les tests sont sur GameCube. On va se mettre en contrat. Je sais pas si Boulap a sorti son test de Nintendo Land, il est dessus depuis un petit moment, mais peut-être on accouche un jour. Ouais, on a le droit de dire ce qu'on va penser. Oula, on a le droit de se mettre. Carton jaune. D'ailleurs, je peux dire la note de Nintendo Land, exclusivité. Boulap m'a dit que c'était 6 Select. Oh le petit 6 Select. Comme Orochi. Le petit 6 Select du cœur. Et Mario, bah plus, t'as déjà publié ton test, c'est ça. Alors moi je parie sur Uber hein, quand même. Ouais moi aussi ouais. Seul contre tout ce qu'il y en a raté. Non mais là c'était le signe du destin, après avoir raté ça je pouvais pas gagner. Vous mais si pas. T'inquiète. J'ai jamais vu une... On peut toujours carotte dans le temps. De temps d'avance sur la défense, merde. Okay. Toujours carotte dans le jeu. C'est 12, je sais pas trop. Attends mais c'est génial ça. Non mais c'est FIFA en tout cas. Enfin c'est foot.